énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur. Pour la 12e fois de la soirée, Jeanne dégravait l'air emmerdé. Troisième bouton de son vestier pour trois matelots vraiment flippés. À la grande table de poker, deux as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sous le revolver. Macao, 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 si plein de matin. L'énorme et vieux ventilateur mélangeait friture et sueur. On sentait monter la terreur comme s'il y avait plus de pesanteur. Fred écroulait sur ses bongos pour avoir sniffé trop de coco. Regardez partir sa mano au bras d'un gigantesque travelot. Et soudain, le coup de feu. Le vicomte morfle entre les deux yeux. Pour une fois qu'il avait du jeu, rigole Max en rangeant son feu.